Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci vidéo des 4 favoris de la box numéro 36, box du mois d'août. J'espère en tout cas pour ceux qui sont en vacances que vous passez encore de bonnes vacances, pour ceux qui l'ont été j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, j'espère que vous avez pu profiter de votre famille, de vos proches, de vos vacances, mais surtout de pêcher. J'espère que vous avez réussi à prendre du fish cet été, il y a eu des très grosses chaleurs, donc généralement c'est quand même pas les meilleures périodes pour pêcher. Mais des fois on peut tirer son épingle du jeu en pêchant dans des endroits abrités, des endroits où il va faire plus frais, donc le chevenne, la truite, alors le black bass pour ceux qui aiment pêcher le black bass, généralement pareil voilà en coup du matin, coup du soir. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire bah voilà si pour vous comment ça s'est passé cet été, si vous avez pris du poisson, si vous avez des difficultés avec cette chaleur là, c'est redescendu en ce moment mais voilà il y a eu quand même de très grosses chaleurs. Et comme d'habitude à chaque fois en tout cas je vous en remercie, ça marche. Si la vidéo vous plaît pensez vraiment à mettre un pouce bleu, ça nous aide pour le référencement, ça nous montre aussi que vous aimez la vidéo, que vous aimez le contenu. Ça vous prend 3 ou 4 petites secondes et bien évidemment si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, pareil vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, sur la petite cloche, vous connaissez la musique, je ne vais pas vous la répéter mais en tout cas voilà le truc classique. On va commencer tout simplement avec donc cette box 36, je vous le rappelle parce que j'ai l'impression qu'il y en a des fois pas mal qui ne le savent pas, à l'intérieur de toutes les Fisherbox vous avez toujours un petit Fisher mag qui d'ailleurs va changer bientôt pour septembre, vous allez voir il va être plus joli, il y aura plus de contenu, enfin déjà il s'est bien amélioré mais il va encore s'améliorer pour le mois de septembre. On va vraiment essayer de mettre de plus en plus de tutos à l'intérieur, de contenu vraiment pour vous aider le plus possible. On essaye vraiment de se focus là-dessus pour que vous en appreniez toujours plus grâce à nous. N'hésitez pas à regarder à chaque fois l'intérieur, surtout vous avez la liste des produits que vous êtes censé avoir dans votre box. D'ailleurs au mois d'août vous aviez un leurre surprise offert en plus normalement dans toutes les Fisherbox, c'était pour tout le monde. C'était le petit cadeau. J'ai assez blablaté, on va commencer par premier favori box médium. Je vais faire une petite aparté. Je pense que vous l'avez vu, vous avez eu à l'intérieur de la box un montage qui s'appelle le Tokyo Rig. On vous a fait en fait une petite fiche explicative pour que vous compreniez à quoi ça sert. La seule chose que vous n'avez pas à l'intérieur c'est le plomb. Je pense que vous l'avez vu sur la petite fiche explicative, en gros vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est vraiment en fait le principe de ce montage là, de ce montage de chez VMC, c'est que vous pouvez mettre ce que vous voulez comme plomb justement sur la tige en ferraille. Donc si vous avez des difficultés vous me le dites en commentaire et moi j'essaierai de vous aider pour que vous compreniez au mieux. Et donc le leurre favori de la box médium, moi j'ai choisi, je pense que voilà vous le savez, pour ceux qui me connaissent j'aime bien ce type de leurre là, c'est un crankbait. C'est le Bully Bite de chez Westin, alors qui ressemble pas mal à d'autres crankbaits. La différence c'est qu'il est beaucoup plus plat, celui-là il est beaucoup plus large. Vous le verrez au niveau des gros plans, il a vraiment un dos complètement plat et très large. Et donc du coup au niveau de la nage, il va avoir une nage complètement différente. Donc vraiment un joli leurre qui va vous permettre simplement de pêcher tout ce que vous voulez. C'est ça l'avantage des crankbaits. Vous pouvez tout prendre avec vraiment tous les carnassiers. Au niveau de l'animation, vous allez voir c'est pas très compliqué. C'est pour ça que j'adore ces produits-là. S'il y a un leurre dur, je pense à prendre quand vous débutez, c'est vraiment le crankbait parce que ça prend du poisson tout le temps, en toute période quasiment en tout cas. Et tout carnassier. Donc première animation, ça va être tout simplement lancer, ramener en linéaire du cranking, ça porte bien son nom, le fameux cranking, vous lancez, vous ramenez, tout bête. Là je vais ramener des algues je pense, d'ailleurs il tire bien dans la canne celui-là, je pense que vous le voyez, il tracte. Donc lancer, ramener du cranking tout simplement, voilà je suis dans l'herbier. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un poisson, ça n'arrive pas. Donc ça c'est vraiment le premier truc tout bête du cranking. La seule chose que vous pouvez faire c'est varier votre vitesse de récupération. Je vais vous montrer, on va refaire un lancer, hop, on va lancer en face. Donc vous pouvez commencer par exemple une récupération lente, accélérer, et on va serrer un petit peu le frein, hop, refaire une récupération relativement lente, re-accélérer. Vous pouvez voilà, juste varier votre vitesse de récupération, ça peut être une adaptation on va dire du cranking, soit vous pouvez faire du cranking vraiment linéaire sans changer de vitesse, soit vous pouvez justement accélérer, ralentir. Et ensuite l'autre variante ça va être de faire des pauses tout simplement, c'est très important de faire des pauses. Donc là c'est un leurre qui flotte, donc vous allez récupérer. Hop, là je suis dans l'herbier, vous allez récupérer, faites une pause, vous reprenez votre animation. Moi j'aime bien généralement quand je reprends faire un démarrage rapide, j'aime bien généralement si vous avez des poissons qui suivent ça peut les déclencher. Hop, on peut refaire une pause, et tout simplement ça en fait du cranking avec des pauses. Si vous voulez vraiment faire autre chose, ça peut s'animer le crank, c'est vrai que je le fais rarement. Vous pouvez lui mettre des petits twitch en fait, donc vous le ramenez et vous lui mettez des petites tirées, ça va le faire désaxer. Il fait vraiment un peu comme un jerk, et ça peut être cool justement voilà, pour un peu imiter une proie qui sera en train de fuir. Et honnêtement pour les perches généralement, voilà, le crank pour les perches c'est quand même bien mais ça prend du brochet, ça prend du chevenne. Chevenne, faut, si vous voulez me dire un chevenne de 60 quand ils ont l'appétit, Ça se pêche chauvac dès leurs plus petits, mais ça peut le faire. Donc voilà, le Bully Bite de chez Westin, plus le Tokyo Rig que je vous ai montré au début, pour la box médium, un leurre pour moi très polyvalent, et si vous débutez, il faut absolument que vous ayez des crankbaits dans votre boîte. On passe directement sur le produit suivant. Le produit suivant, produit de la box light, le Gemibug. Donc ça, on vous l'avait déjà mis il y a un petit moment, mais là, je vous l'ai remis simplement parce que c'est le fameux coloris poilu de chez Sakura. En tout cas, moi, je trouve ça juste fantastique. C'est surtout, en fait, j'aimerais bien savoir comment ils le font, si c'est un revêtement qui est collé dessus ou c'est vraiment des poils. Voilà, c'est poilu, c'est tout doux, c'est... Voilà, vous nous direz ce que vous en pensez. Moi, je suis juste fan, surtout ce leurre-là, honnêtement, moi j'aime vraiment bien. Donc ça va s'adresser principalement perche, chevenne. Sur le bass aussi, je pense, sur le bass, ça peut être sympa. Je suis pas un très grand pêcheur de bass, mais vu le type de leurre que c'est, je pense que sur le bass, ça peut vraiment donner de très bons résultats. Mais voilà, sinon, principalement perche et chevenne pour tout le monde. Au niveau de l'animation, va y en avoir plusieurs. Il va y avoir la première animation qui va être le do nothing, ne fait rien. Bah, tout simplement, ça va être, vous allez, là en plus il y a un petit courant, donc c'est parfait. Imaginons que je suis dans une rivière, j'ai une veine d'eau, hop, on le lance, et voilà, et vous le laissez dériver. Voilà. Et déjà ça, en fait, vu que ça émite, c'est un peu comme si vous pêchiez avec un autobug de chez eux, qu'on vous a mis le mois dernier, le mois d'avant je crois, bah, c'est à peu près la même chose en fait. Alors vous pouvez peut-être le mettre, vous voyez, des toutes petites tirées, vu qu'il a des papates, hop là, regardez, des toutes petites tirées comme ça, ça va un peu imiter un petit insecte qui est en train de se débattre en surface, donc ça marche très bien. Je vais essayer de vous le montrer juste devant. Voilà, et juste des toutes petites tirées. Et en fait, bah, vous voyez, les petites papates bougent et du coup, bah, ça fait une petite anime en fait, quoi. Donc ça peut suffire. Et ensuite, vu que c'est une sorte de popper, bah, on va pouvoir tout simplement l'animer en popper. Donc en popper, bah, c'est simple, hein, on va le lancer et on va le faire popper. Et pour faire popper, rien de très compliqué. Hop, vous mettez des tirées dans votre canne. Et en fait, à chaque tirée, le leurre va popper. Là, je pense que vous le voyez en face, même si je suis loin. Vous allez le voir arriver. Et il pop, en plus, il pop vraiment bien. Il n'y a pas besoin en fait de mettre des grosses tirées, ça c'est cool. Et surtout, il décolle pas. Souvent, c'est un peu le défaut des petits poppers. C'est que dès que vous allez mettre un gros shoot dedans, bah, le leurre va décoller et va pas du tout popper. Je vais essayer de vous l'animer juste devant. Là. Hop là. Voilà. Et on pop. Et vous voyez, à chaque pop, ça fait une bubule. Ça va faire du bruit. Et ça va attirer les poissons. Donc ça, sur la perche, ça marche très bien. Sur le chevenne, ça marche très bien. C'est vraiment un mix en fait entre un autobug et un popper. Donc vous pouvez pêcher comme un autobug, c'est-à-dire en ne faisant pas grand-chose, en mettant des toutes petites tirées pour faire bouger bah, l'espèce de petite papa de soupe que vous avez. Ou sinon, vous pouvez pêcher comme un popper classique. Parce que, voilà, je pense vous le verrez au niveau des gros plans. Il y a une bouche concave, c'est vraiment une bouche de popper et ça pop comme un popper. La taille est parfaite pour de la perche, pour du chevenne, du gros chevenne, du chevenne de 50, de 40, 50, 60. Il n'y aura aucun problème, ça pourra monter là-dessus. Donc voilà, le Gemibug de Sakura. J'espère vraiment que ça vous plaira. On passe directement sur le produit suivant. Le produit suivant, produit de la box Big Bait, il s'agit du Suicide Duck de chez Savage Gear. Je pense que la plupart d'entre vous en ont entendu parler, il y avait un énorme buzz qui avait été fait à l'époque sur ce leurre. Donc en gros, c'est un leurre de surface qui ressemble à un canard. Le poisson va plus voir un truc en surface, il verra peut-être un canard, hein, mais il va plus voir un truc en surface qui fait du bruit, qui fout le bordel, qui va venir le déranger, donc pour du brochet, pour du silure, plutôt qu'un canard. C'est vraiment plus là-dessus, je pense que le poisson va se focaliser sur un truc qui fait beaucoup de bruit. Vous allez voir, ça fait vraiment du bruit. Au niveau des poissons, je vous l'ai dit, brochet, silure, ça peut sûrement prendre autre chose, mais ça va plus se destiner là-dessus. Au niveau de l'animation, vous allez voir, il y en a deux qui sont pas très compliqués, bien évidemment, il faut avoir la canne adaptée, hein, parce que vous allez voir, ça tire un petit peu, on va lancer en face, ça se lance bien. Première animation du lancer ramené en cranking, en linéaire, et en fait les papates derrière vont tourner, là vous le voyez, voilà, ça nage, ça fait du bruit, ça fait un gros sillage, ça fait quand même beaucoup de bruit, là j'ai pris une algue, du coup il ne veut plus nager, si c'est bon, voilà, je vais essayer de vous le montrer juste devant, c'est tout simplement en fait les espèces de papates qu'il y a derrière qui se mettent à tourner, hein. Je pense que vous allez le voir, voilà, hop, vous voyez les papates tournent, ça fait du bruit. Ça c'est la première animation en cranking classique, et ensuite vous allez pouvoir faire un peu une animation de popper. Bon, honnêtement, je pense que c'est un peu comme ça je pourrais le définir. Vous le lancez et en fait vous lui mettez des gros shoots. Et hop, voilà. Ça c'est l'animation qui fait beaucoup de bruit. Ça faut que le poisson soit énervé. Hop, et vous voyez à chaque tirée, bah, en fait les pattes vont tourner vite d'un coup, ça va popper, ça va faire encore plus de bruit. Hop là, voilà, vous lui mettez comme ça des gros shoots dans la tronche. Donc ça honnêtement, voilà, si vous êtes sur un endroit où vous savez qu'il y a du silure par exemple qui est un peu caché dans les bordures ou du brochet qui est vraiment susceptible de monter en surface, vous pouvez tester. Alors après clairement, c'est pas le leurre miracle, c'est pas le leurre avec lequel vous allez faire le plus de poissons. Mais par contre, ce que je peux vous le garantir, c'est que si vous faites un poisson avec, vous allez vous en rappeler un grand moment. Parce que du coup, c'est un leurre surface, c'est un leurre qui est très énervant, je pense, pour les poissons, que ça fait beaucoup de bruit. Donc théoriquement, vous allez avoir une attaque de, je dirais pas le mot, mais vous allez vraiment avoir une grosse attaque. Si vous avez rien qu'un silure d'1,50 m qui vient toper là-dessus, ou juste un beau brochet, Je pense que vous allez vous en rappeler, vous allez tester de temps en temps. Alors voilà, c'est comme je vous dis, hein, voilà, c'est pas le truc à sortir tout le temps, mais de temps en temps, testez-le quand vous avez un spot avec des herbiers ou des grosses frondaisons et vous savez qu'il n'y a pas du silure qui est caché en dessous. Testez ce Suicide Duck et vous m'en direz des nouvelles. Allez, on passe directement sur le dernier produit. Le dernier produit, il s'agit du favori de la box mère, et là tout simplement c'est le Mégalon en 130, donc un stickbait de surface qui, je pense, de chez Gunki bien évidemment, qui je pense est quand même pas mal connu, s'est fait une bonne réputation, un leurre qui fait du bruit. Voilà, il a une grosse bille, on la voit sur ce coloris-là à travers, une grosse bille de métal qui fait un bon gros bruit. Donc il va se destiner à la pêche du bar, n'ayez pas peur de pêcher, hein, c'est pas énorme du tout pour un bar, hein, un stickbait de 13 cm, vous pouvez vraiment y aller, hein, n'ayez vraiment pas peur. Et bien évidemment, si vous faites eau douce et mer, je vous invite grandement à pêcher en eau douce avec sur le brochet, parce que voilà, c'est pareil, un stickbait de 130 pour le brochet, en plus il a un joli bruit. Je pense que vous pouvez prendre aussi des belles attaques de brochet. Au niveau de l'animation, vous allez voir, animation de stickbait. Là, ce qui est cool par contre, c'est que vu que c'est un gros leurre, il va bien se désaxer. Donc animation stickbait. Moi, ce que j'aime bien faire avec le stick, c'est quand je lance, quand il tombe dans l'eau, attendre en fait que l'onde autour se dissipe. J'aime pas partir directement. Alors des fois, vous pouvez partir directement, mais moi j'aime bien attendre en fait. Et hop, on va l'animer. Et voilà. Et ça nage. Ça nage comme un serpent. C'est un joli serpent. Ouais, ça nage bien. Ça nage sacrément bien. En fait, il fait vraiment des gros déhanchés. Il fait vraiment des gros comme ça, comme ça, comme ça. C'est l'avantage en fait, c'est vu qu'il a une grosse surface, il a une nage bien sympathique, bien différente. Donc ça, c'était vraiment la première animation. Vous ramenez tout simplement, vous faites votre nage en walking the dog, vous ramenez sans vous arrêter. Et ensuite, la deuxième variante, vous vous en doutez, ça va être avec des magnifiques pauses. Hop. Donc là, on va le faire partir directement pour éviter que mon fil se fasse emmener. On l'anime. Hop. On fait l'animation. Une pause. Plus ou moins longue, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, une toute petite pause et vous repartez. Hop, ah, ça nage bien, il a une nage sympa, puis il fait un bruit, je l'entends arriver. Non, très sympa, vraiment très sympa ce produit. Donc ça, c'était la deuxième variante, et ça, je pense que sur les bars et les brochets, pour ceux qui font mer et eau douce, vous devriez me faire des jolis poissons avec ça. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous arrivez à toucher. En plus, on est encore quand même pour la bonne période, hein. Août, septembre, pour pêcher à l'heure de surface, c'est vraiment encore une période sympathique. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo des 4 favoris. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu, que les produits que vous avez vus à l'intérieur des box vous auront plu. Comme d'habitude, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez des questions, des améliorations, si vous voulez juste comme d'habitude raconter votre vie, d'ailleurs il y en a un qui a fait la blague, je crois, le mois dernier, je serai là bien évidemment pour lire vos commentaires, pour y répondre. Ça me fera un grand plaisir. Moi, je vais continuer à vous tourner les tutos comme d'habitude. N'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un petit tour sur la chaîne The Fisher Channel pour voir tous les derniers tutos, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Tchuss tout le monde.